Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Fais quoi, comment? Lâche-moi. Hé, hey, tu m'arrêtes ça. C'est quoi ton problème? Viens ici. Lâche-moi, arrête. Hey, je te rappelle que tu es chez moi et si tu veux pas m'embrasser, tu dégages. Bah attends, attends. Lâche-moi, je suis pas venue t'embrasser. Ah, tu n'es pas venue m'embrasser? Non. Ok. Mais tu dégages. Eh bien, maman, si je t'ai appelé, c'est parce que la reine des neuf tours souhaite encore injecter de l'argent dans nos affaires. Et vu notre situation actuelle, j'ai voulu d'abord t'en parler pour avoir ton avis en premier. D'accord. Et dans quoi veut-elle investir? Dans la ferme. La ferme? Et de combien parlons-nous? Ben, nous n'avons pas encore discuté en profondeur. Et comme je l'ai dit, je voulais d'abord voir tous les éléments avant. Ben... je pense que c'est une bonne opportunité pour nous. Compte tenu de la situation, c'est une aubaine pour nous de nous refaire une santé financière. C'est un piège, maman. Un piège? À quoi penses-tu? Eh bien, maman, une femme qui débarque de nulle part, investit 500 millions dans une affaire dont elle n'a pas encore eu de retour. Est prête à investir à nouveau dans une autre affaire, sans crainte. Une affaire qui n'a rien à voir avec la société. Ça soulève quand même des questionnements. Tu ne crois pas? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi qui disais que Son Altesse n'a jamais initié un quelconque investissement de sa vie, n'est-ce pas? Bah, je pense qu'elle veut tenter le coup. Écoute, mon fils. Profitons de sa générosité pour nous assurer un fort potentiel économique. Rappelle-toi que nous avons une rude bataille à mener. Car quelque chose me dit que Élise ne va pas en rester là. Hein? Nous avons besoin d'argent. Et tu penses qu'elle peut investir combien? Mais là, je ne sais pas. C'est toi l'expert. Et je suis sûre que tu mèneras à bien ce projet. Bien. Je veux m'arranger avec ma jolie. Et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Ok. Tu peux repartir faire tes courses, maman. Merci d'être passée. Pas de quoi, mon amour. Beaucoup de courage, hein. Merci, maman. Christian, c'est bien que tu sois là. Viens, tu vas m'aider. À faire quoi? On va fouiller la chambre de ton père. La chambre de maman Suzanne? Qu'est-ce que ça change? Ça reste celle de ton père. Tu l'as filée, on dirait, parce qu'elle n'est pas là. La filée? Qu'est-ce que ça aurait changé si elle était là? Hé, la dame de fer, qui te peut même ici dire? Bon, qu'est-ce que tu cherches? Des documents, des titres fonciers, des papiers importants. Des documents, des titres fonciers. Et tu penses que Georges, il ne les a pas déjà tous emportés? En tout cas, viens, on va voir. Ok. Thank you.
Allô? Oui, Madame Suzanne. Je voulais juste vous informer que Madame Élise est dans votre chambre. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle y fait, mais elle avait son fils Christian. D'accord, vous êtes déjà en train de revenir. Ok, venez vite. J'ai bien dit que ici, il n'y a rien. Écoute, fouille dans tous ces tiroirs-là. Commence là. Maman, un titre foncier. Fais voir. J'ai l'impression que c'est une photocopie. Regarde bien, l'original doit être là. Vous cherchez l'original de quoi dans ma chambre? Ta chambre? Oui. C'est un problème si je dis que c'est ma chambre, Élise. Oh, que oui, un million de problèmes, madame. C'est notre chambre. Je l'ai aussi partagée avec mon mari. C'est dans ce lit que j'ai conçu ce beau et grand garçon-là. Le vrai héritier que vous, toi et ta bande, vous voulez écarter. Arrête de crier dans mes oreilles et écoute-moi très bien. Avant que tu ne t'accroches sur mon mari comme une sangsue, je dormais déjà dans cette chambre. Tu t'es accroché sur lui. Il t'a amené dans cette maison. C'est par amour et par respect que je l'ai laissé t'amener dans cette chambre. Et quand tu y entres, tu veux qu'il m'aise plus? Mais quel culot! Heureusement que Martin était un homme de caractère. Un homme de caractère? Oh, ma pauvre. Si tu savais qui était ton mari, si seulement tu savais qu'il me mordait dans la paume de la main, si tu savais, à quoi bon? Tu es tellement ignorante et bouchée que tu ne t'es jamais rendu compte de rien. Mais ne t'inquiète pas, bientôt tu seras seule face à ta désolation, seule face à ta misère. Tu vas devenir folle en plein jour. Oui, en attendant, sortez. Sortez de ma chambre! Allez, maman, de toutes les façons, il n'y a rien ici. Libérons le plancher. Hé, ne me touche pas! Tu devrais être en train de mettre cette femme à sa place. Mais tu es là comme un mollusque. De toutes les façons, la violence est pour les faibles. Et moi, j'en suis pas un. Donc, je m'en vais. Mais sors! Libère ma chambre! Tu baisses. Hé, dégage! Thank you.
Mon Dieu. Pendant combien de temps je vais subir la méchanceté de ces gens? Cette femme est devenue incontrôlable, mon Dieu. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie, ramollis son cœur. Inonde-la de ta grâce et de ton amour. Oh Père éternel, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon Dieu, que ta volonté soit faite. Je t'en supplie. Oh non. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas, car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous, comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer CINAF, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, CINAF offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant CINAF, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs. Vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tinzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Blandengeli, acteur de cinéma et CCO de CINAF. Monsieur le gouverneur s'est impliqué personnellement dans le dossier d'appel d'offres pour la construction du port de Tiko. Et selon le deal qu'il a eu avec votre géniteur, dont nous continuons de regretter la disparition, une enveloppe lui revenait au cas où votre entreprise viendrait à gagner le marché. Une enveloppe? Attendez, je ne vous saisis pas bien. Vous voulez me dire que c'est grâce au gouverneur que nous avons été sélectionnés pour réaliser les travaux? C'est bien cela, monsieur Georges Niamey. Et puis-je savoir à quel niveau exactement le gouverneur a participé? Puisque j'ai géré ce dossier de bout en bout sans avoir été jamais tenté ou recouru à qui que ce soit. Monsieur Niamey, vous semblez sceptique face à ce que je vous dis. Ni vous ni moi n'avons capacité de douter des paroles du gouverneur de la région. Ce qu'il dit est un ordre. On ne les commente pas. On les exécute parce qu'elles sont recouvertes du sceau de la souveraineté. Même quand il s'agit de corruption? Écoutez, monsieur le secrétaire particulier, monsieur Niamey, qui est un gestionnaire responsable, ne m'a jamais informé d'une quelconque réclocommission. Et je vais être très péremptoire avec vous. Entre lui et moi, il n'y a jamais eu de secret. Vous insinuez que monsieur le gouverneur est non seulement un corrupteur, mais fait grave qu'il est un menteur. C'est ce que je dois retenir? Bah, c'est vous qui le dites. Alors arrangez-vous à payer votre dette. Sinon, il ne sera pas très content. Et vous n'ignorez pas qu'il peut y avoir de graves conséquences. Ça alors, on vient à peine de débuter les travaux. Nous travaillons même encore sur nos propres fonds. S'il y avait une enveloppe à payer, où est-ce que vous voulez qu'on la trouve maintenant pour pouvoir vous contenter? Ce n'est pas un petit 60 millions qui peut vous dépasser, cher monsieur. Vous pensez qu'on vous a donné ce marché pour vos beaux yeux? On aurait donné ce marché aux Chinois, Français, Turcs, qu'ils auraient déjà payé les commissions. Heureusement que c'est nous qui avons gagné ce marché, et dignement. Monsieur le secrétaire particulier, je vais devoir partir. Je viendrai moi-même discuter personnellement avec le gouverneur pour pouvoir mettre cette histoire au clair.
Je prends note. Mais si j'ai un conseil à vous donner, ne jouez pas avec le feu. Ok, moi aussi j'ai pris note. Merci. Vous pouvez y aller. Mal chérie, j'avais juste besoin d'un endroit calme. Mais la maison était calme et reposante. Mais c'est toi qui as choisi de venir travailler ici. Ne parle pas de ça. Qu'est-ce que tu as? Je te sens très tendue. Il y a quoi? Ce pays est foutu. De quoi parles-tu? Je sors de la région. Mm-hmm. Et tu imagines? Le gouverneur veut qu'on lui donne 60 millions parce qu'il nous aurait aidé à l'attribution de l'appel d'offres. 60 quoi? 60 millions, tu as bien entendu. Pour un travail qui n'a même pas encore commencé. Là, nous sommes dans le couloir de rétro-commission. Hé, non. Non, ça c'est de la pure corruption. De la corruption. Et qu'est-ce que tu comptes faire? C'est quand même le gouverneur. Eh bien, il n'a qu'à porter plainte. Il n'a qu'à porter plainte. Et là, il va prouver où est-ce qu'on lui a promis 60 millions. Il n'aura pas besoin de ça. Il a des tentacules inimaginables. Hey. Tu veux aussi m'énerver? Ou alors tu veux me faire peur, c'est ça? Nous sommes dans une république, madame. Ok. Fais comme tu veux, mon cœur. J'essaie juste d'attirer ton attention. Je sais que tu es un homme juste. Mais n'oublie pas que nous vivons avec des prédateurs. Ok. On verra. On verra bien. Voilà. Vous êtes là. C'est vous qui avez semé le désordre dans le chantier, n'est-ce pas? Non, boss. Non, boss. Hé, hé, vous la bouclez. On est venu. Hé! Hey! En tout cas, je gère votre cas après. Mettez-vous dehors. Mais boss. Hé! Hey, non! Hé! Hey, tu poses mon colis là. Chérie, essaye de te calmer. Je te sens trop tendue. Et la situation avec Élise, tu gères ça comment? Élise s'embrouille seulement, mais elle ne peut rien. Avec tout ce qu'elle fait, tu continues à croire qu'elle ne peut rien? J'ai peur qu'elle soit un obstacle pour nous. Non, chérie, calme-toi. Élise ne fait qu'animer la galerie pour le moment. Si elle devient un obstacle pour la famille et pour l'entreprise, je vais tout simplement l'isoler. Vraiment? Ouais. Tu sais, les enjeux de l'entreprise sont devenus trop grands. Et je ne laisserai personne nous distraire ou alors nous empêcher d'atteindre nos objectifs. En tout cas, je te fais confiance, mon cœur. Merci. Merci, chérie. Il faut même que je l'appelle pour lui faire une proposition. Proposition? De quoi s'agit-il? Ah, tu es déjà là. J'espère que tu m'as fait venir parce que tu t'es rendu compte que tu fonçais droit dans le mur. S'il te plaît, sois ton nom, Élise. Un verre? Sans façon. Bien. Je te fais venir parce que j'ai une proposition très intéressante à te faire. Enlève-moi d'abord tes petites mains dans tes poches là avant de me parler. Un peu de respect. Je t'écoute.
Je vais relancer la ferme familiale. Et je veux que tu t'occupes de la gestion. Je sais que je ne t'apprends rien concernant cette ferme, car c'est celle-là même qui a fait de nous ce que nous sommes. Mais je pense qu'en injectant un peu de moyens, nous pouvons redevenir des grands distributeurs des produits de la volaille comme à l'époque de papa. C'est tout? Oui, c'est tout. Bref, c'est la quintessence de mon offre. Non mais franchement, pour quelle espèce d'idiote tu me prends? Tu penses pouvoir détourner mon attention aussi facilement? Tu fais la sourde oreille à ce que je t'ai dit depuis. Et puis d'ailleurs, où est-ce que tu vas trouver de l'argent pour investir dans cette ferme à la ruine? Maman Élise, je veux qu'on fasse la paix. Je veux qu'on fasse la paix pour qu'ensemble nous rehaussons l'image de la famille. Cessons ces guerres inutiles, tu veux? Tu n'as aucun droit ni de parler ni de te battre pour la famille Niamey. Parce que tu n'es pas un Niamey. Tu ne comprends pas quoi? Je voulais juste faire les choses comme papa sûrement l'aurait voulu. Mais tu restes campé dans tes grandes propositions. J'aurais quand même essayé. Bravo. Tu veux vraiment faire les choses bien, mon petit Georges? Eh bien, quitte la tête du groupe. Tu veux t'occuper de la ferme familiale? Vas-y, fais-le. Il n'y a pas de souci, je te laisse faire. Mais sache que bientôt, tu n'auras plus rien à dire ici. Et si tu t'entêtes, tu partiras d'ici comme un chien. Et je t'aurai prévenu. Mon fils. Ma petite maman Élise. Je crois que j'ai fini avec toi. Tu peux monter sur tes grands chevaux maintenant. Mais sache une chose. J'ai déjà réuni tout ce qu'il faut pour te chasser d'ici. Bâtard. Thank you.